Ah bah te voilà. Chut, qu'est-ce que tu foutais? J'aurais parlé d'un truc là, tu... Viens, j'ai un truc à te dire, Sofa. Ça va me coûter 2 minutes. J'ai un truc top secret à te dire. Personne ne sont craquant de savoir que je t'ai dit ça. On est d'accord? Bon. J'ai des doutes sur des choses. Et malheureusement, il n'y a que toi à qui j'ai raconté ça. Ouais, enfin, va pas croire non plus qu'on est amis. En plus, Krakor, c'est notre patron. Et on est dans le monde d'origine. Alors, niveau discrétion, on a fait mieux. Oui, bon, bah. Mais au contraire! C'est le seul monde dans lequel le traceur qu'on nous a implanté est inactif. Et le seul monde, en plus, on ne sait pas de croiser nos gens des mondes. Parce qu'ils sont tous partis en mission. J'ai l'impression que je vais le regretter, mais vas-y, je t'écoute. Ok. Tiens-toi bien. Krakor est un traître. Eh oui, c'est, enfin, d'après Jean Calorio. Je l'ai rencontré, il est pas mort, hein. Eh oui. Il m'a dit qu'il était en train de se construire une armée dans un monde secret en le but de le conquérir. Enfin, c'est pas tip-top comme histoire, quoi, tu vois, c'est légèrement flippant, on va dire. Ah oui, d'accord, mais en fait, t'as complètement perdu la boule. Je suis pas sûr de mes infos. Enfin, j'ai comme des doutes, on va dire. Bah, tu viendras me voir quand tu seras sûr. C'est bien, ça a pas l'air de t'inquiéter plus que ça, moi, c'est bien. Non, c'est un genre que je me donne. Ah, ok. Bien sûr. Bon, il faut que je te laisse, on va se repérer, hein. Je fais confiance, hein. Ok. Putain, il faut que je sorte. Je sais pas comment, mais il faut que je sorte de là. Putain, mais ouvrez-moi cette putain de porte! Mais vous allez ouvrir cette porte, oui! Tu vas la fermer, ouais. Tu m'agaces, là. Pas tant que je serai pas sorti d'ici. Putain, sur des milliards de personnes, il a fallu que j'agresse un abruti. Pourquoi? J'en sais rien, mais moi, j'en serais bien passé, tu vois. Enfin, tu te décides à venir me voir. Enfin, fais pas trop le malin, t'es encore en prison, à ce que je sache. Hey, vous êtes gentil, vous. Vous pouvez me libérer, non? Mais quand est-ce que tu vas comprendre que tu seras à rien, toi? T'es juste ici parce que j'ai décidé de t'en mettre une. Alors t'es gentil, et tu vas t'asseoir au fond. Tu laisses parler les grands. Merci. Bon, on en était où, nous deux, là? Bon, parle-moi du monde secret de cette armée. T'es direct, toi? J'aime bien. Aurore. C'est le nom de ce monde. Il était en pleine effervescence lorsqu'on l'a découvert. Et puis un jour, des personnes sont arrivées. Venaient d'un autre monde. On ne sait pas lequel. De si loin? Ouais. Ils ont les yeux rouges. En quelques mois, ils avaient dévasté la plupart des villes existantes. Alors Krakor a eu peur. Peur de quoi? Ce n'est pas son monde à Krakor, ce que je sache. Ils détruisent des mondes. Et ils vont sûrement pas s'arrêter à celui-là. Mais pourquoi ne pas aider les habitants de ce monde à lutter contre eux? C'était l'idée du professeur Calorio, mais Krakor lui a profité de la situation et son pouvoir. Il les a menacés de les enfermer dans ce monde grâce à la technologie du professeur, à moins qu'il ne lui laisse le contrôle des mondes qui pillent. Ils ont accepté à condition que Krakor les paye pour leurs services. D'où le trafic, forcément. Dites, c'est pas quand même merde votre histoire? On pourrait pas juste se barrer d'ici maintenant? Ouais, je suis d'accord avec lui, hein. Il est temps de se barrer, là. Et vous faire quoi, même si vous dites la vérité, on est coincé ici? Krakor a beau avoir bloqué les issues, mais il a fait l'erreur d'utiliser la technologie du professeur Calorio. D'ailleurs, il est en train de concevoir un nouvel accès pour ce monde. Il est temps de mettre un terme au plan de Krakor, tu penses pas? Putain. C'est pas celle-là, bordel. Bon. Ouais, il faut se dépêcher, il faut vite se rendre compte de votre évasion, alors ouais, putain, ouais. Dépêchez-vous là! Putain, ouais. On se passe devant, c'est moi qui ai les clés, je te rappelle. Hein? Bah, dépêche-toi dans ce cas-là! Bah, c'est une prison, il y a des serrures et des clés, hein, excuse-moi. On se calme. Oui. Dépêche-toi, il faudrait attendre. Oui, 2 minutes! Oh. Thinking of love.
Attends. On fait quoi maintenant? Je veux pas mourir ici, moi, et pas avec vous. Moi non plus, figure-toi. Bon, Noah, en tant qu'agent, bon, il y a un communipad, non? Oui, on va en faire quoi? Vas-y, passe. Le matin. Tiens. Je vais l'utiliser pour pirater le réseau. C'est une bonne idée. Et par contre, on va se dépêcher. Ah ouais, on va sortir de... Dépêche-toi un peu. Putain, ça y est, c'est bon. Ah, mais... Bon, bah c'est trop lent. Je t'ai dit qu'on n'avait pas le temps de les pisser. Est-ce qu'on peut les suivre? Voilà, dans quelques minutes, on a leur position. Très bien, mais il nous les faut. Et rappelez-vous, on a le permis de tuer.